C'est devant des magasins aux portes closes que ces jeunes défilent au pas de course. Deuxième journée de colère à Béni. Béni, la ville meurtrie par une attaque ce mardi soir attribuée aux rebelles ADF, les forces alliées démocratiques. Béni, pourtant, où stationnent des forces militaires de la MONUSCO. Alors ces jeunes veulent savoir pourquoi ces soldats, tout comme les forces congolaises, n'assurent pas leur sécurité. Nous sommes descendus dans la rue pour dénoncer l'inaction de la MONUSCO et de nos militaires. La mission de la MONUSCO était de nous sécuriser, mais nous sommes désolés et déçus, car rien ne marche ici. Ils ont tué des civils à Boekene, et les camions de la MONUSCO étaient là, ils ne sont pas intervenus. En quelques semaines, les attaques menées dans la région de Béni à Oïcha ont coûté la vie à plus de 60 personnes et terrorisé les populations. Le gouverneur de la province Nord-Kivu a fait le déplacement pour tenter d'apaiser la colère. Il ne faut pas donner de la place aux stratégies de l'ennemi qui veut effectivement briser la confiance entre l'armée et le peuple, mais aussi qui veut créer un fossé entre les autorités congolaises et tous ses partenaires. Depuis fin octobre, l'armée congolaise mène des opérations contre les bases de l'ADF. Les attaques menées par les miliciens sont vues comme des représailles à l'encontre des populations. L'ADF ne revendique aucune de ces tueries.